Bonjour, je m'appelle Cosima Kay, je suis cofondatrice de la Cycle Moulon. Cette coopérative a prévu de créer des espaces de travail et de vie ici dans cette usine de 4500 m². C'est une ancienne tannerie qui est basée à Barjols. L'année dernière, on a également créé une association qui s'appelle l'Entretoise, qui a en objet de créer des espaces de travail, de rencontres et d'échanges. Et ça, avec de l'aide d'événements culturels et des repas partagés. Und ich bin Oliver Kay, ich arbeite beim Kunstzentral TV in München. Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit der Aufgabe, kulturelle und soziale Inhalte in unseren Räumlichkeiten umzusetzen. Und jetzt mit diesem Projekt Passage highlighten wir den Exportteil unseres Namens, so wie wir es noch nie gemacht haben. Du coup, ça s'est fait que Oli, mon frère, est venu me visiter l'année dernière et nous avons commencé à imaginer de créer un partenariat entre ces deux lieux. Alors après, on s'est demandé sur quelle base on peut faire cette première édition et parce que les deux associations accumulées, il y a beaucoup de disciplines différentes. On a choisi de faire la musique assez rapidement puisque ça casse les barrières de la langue facilement. Pour Import-Export, c'est une évidence de ramener Embryo, un groupe de musique de Munich. Et nous ici, on a vite aussi trouvé Katie Hating et Louise Cordeuil. On a fini à trouver de l'aide de la Fondation L'Amitié France-Allemagne, de Kultur Referat München et aussi la ville de Barjols. Ja, wir haben den Wunsch, dass es eine langjährige Beziehung wird zwischen den beiden Vereinen L'Entretoise und Kunstzentral TV, dass wir uns jährlich besuchen können, gegenseitig besuchen können, die Entwicklungen an den Orten mitverfolgen können, vielleicht ein Stück weit mitgestalten. Jetzt sind wir erstmal hier, wir sind in Le Moulin in Barjols und während wir sprechen, sind die Musikerinnen am Proben. Und die Proben münden daran, dass wir in den nächsten Tagen, gibt es drei Konzerte an drei wunderschönen Orten, wir besuchen auch noch eine Initiative in Marseille. Und das stellen wir euch alles vor, hier, wir werden alle tollen mitwirkenden Menschen und Vereine in kurzen Interviews präsentieren und ihr könnt euch das hier anschauen. Genau. Ja. Vielen Dank. Danke.